Bienvenue dans la ville la plus froide au monde. À Yakoutsk, en Sibérie centrale, les températures pourraient descendre en fin de semaine jusqu'à moins 60 degrés. Pas de quoi refroidir ces artistes peintres. Pas toujours évident de se concentrer quand le visage gèle, mais il semblerait que ces températures polaires soient au contraire source d'inspiration. Ces conditions météorologiques aident les peintres à transmettre tout le spectre des couleurs, de la lumière et de l'air. Changement de pays et aussi de température, direction l'Estonie où une exposition de bonhommes de neige fait le bonheur des enfants et de leurs parents. C'est un événement amusant et en ce moment, avec la crise sanitaire, cela fait du bien d'être ici. Enfin, prendre un bain glacé, un loisir de plus en plus populaire dans les pays habitués au froid comme la Pologne, d'autant que cette pratique courageuse serait bénéfique pour le corps. Elle aiderait à se protéger des virus, dit-on. Et après le bain, un petit jogging pour ne pas attraper froid.